although set to read only, we will be recording as is our legal right. However, anything you do witness will not be either admissible or provable in a court of law. Hang on. I'm still not sure if this is... right. I need a decision. Now. We're against the clock. Any longer and we risk cellular breakdown. Okay. I'm ready. Salut les amis, c'est Bujelour, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal, on se retrouve sur un nouveau let's play les amis. Get Even, un jeu qui a été développé par The Farm 51 et qui est édité par Bandai Namco il me semble, qui devait sortir le 23 mai, malheureusement il a été repoussé à cause, parce que on avait eu donc, si vous vous souvenez, les attentats de Manchester à ce moment-là. Donc le jeu avait été repoussé d'un mois, il est sorti donc le 23 juin. Et on va donc évoluer dans ce jeu. On est donc à la première personne. On a un téléphone pour nous aider. On a aussi des armes, il me semble. On va évoluer donc dans une ambiance assez réaliste. On va devoir enquêter, je crois, sur la disparition d'une fille. On va devoir trouver ce qui se déroule dans cette histoire. Pourquoi elle a été kidnappée, un truc comme ça. Donc ça va être très pesant comme ambiance, les amis, je vous le dis déjà direct. Et j'espère que ce jeu va vous plaire. Vous trouvez les contrôles des menus dans pause avec échappe. Ah oui, non mais ça c'est bon, je connais, laisse tomber. Hop, voilà. Alors, F pour ouvrir la porte. Bonjour. Ok. Ok, on a eu un petit bruit. On a un drone là. Alors j'ai déjà lancé le jeu, hein. Je connais un petit peu le début de l'histoire, mais je ne connais pas le jeu complètement, hein, donc... Normalement, je sais que je peux ressortir mon téléphone. Voilà. Alors, Black, ne venez pas au point d'échange. On a la fille et vous ne pouvez pas la sauver. Laissez les choses se faire. Normalement, voilà, je peux changer les menus aussi. Donc, on a la vision nocturne. On a le scanner. On a la mémoire. On a une lumière UV. Et on a les messages. Et ensuite, la carte. Voilà. Donc la carte se situe un petit peu comme ça. C'est un peu brouillon, je trouve, la carte. Pour comprendre un petit peu le truc. C'est un tout petit peu bizarre. La vision nocturne. Voilà. Ah, c'est une vision thermique plutôt que nocturne, on va dire. Voilà. Le scanner, c'est pour trouver les indices. Donc vous avez les petits points verts qui vont s'allumer quand il y aura des indices proches. Et comme ça, vous pourrez les scanner. La mémoire, c'est pour voir les photos. Donc là, on a une photo. C'est la fille que l'on recherche. Sauver la fille, voilà. Lumière UV, c'est pour faire des lumières UV sur le sol. Là, on voit pas très bien parce qu'on est à l'extérieur. Mais pour chercher les taches de centre comme ça, vous allez voir, c'est assez impeccable. Et ça, c'est donc les messages que l'on reçoit. Il me semble que c'est tout. Et après, on repasse sur la carte. Donc là-bas, il y a un mec. C'est des militaires, à ce que j'ai compris. Appuyez 2 et 3 pour choisir vos armes. Donc on a, voilà, on a un pistolet silencieux. Et on a après un espèce de fusil d'assaut. Voilà. Et on repasse avec le téléphone. Voilà à peu près ce qu'on a en notre possession. Donc, on va aller visiter ce petit bâtiment. Les lumières vertes sur le côté du smartphone vous guident... Voilà, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Donc là, les lumières vertes nous indiquent qu'il y a possiblement un indice à proximité. Donc on va passer avec le mode scanner. Et on va, voilà, essayer de se rapprocher. Hop, voilà. Et on scanne. Et comme ça, ça nous fait un petit indice. This is military grade. Donc c'est de l'équipement militaire apparemment, ce qu'on a ici.
J'attends vos retours, hein, bien sûr, sur ce let's play, si ça vous plaît, si vous avez posé des questions, si vous voulez qu'on continue aussi, bien sûr. Hein, comme d'habitude, maintenant vous connaissez les bails. Maintenant les let's play, si je vois que ça ne vous intéresse pas, et bah, tout simplement j'arrêterai le jeu. Donc ce jeu en ferait partie. S'il ne vous plaît pas, et bien tout simplement, on s'arrêtera. Là, on a un indice pas loin aussi. DNA found. Female. 18 to 22 years of age. Okay. Donc, possiblement appartenant à la fille lumière UV, voilà. Donc là, ils nous disent passer avec la lumière UV. Non, c'est ça, voilà. Et voilà, et voilà, la lumière UV, ça détecte, voilà, là il y a du sang. Et du coup, on va pouvoir suivre cette trace de sang, tout simplement. Et là, possiblement qu'on a peut-être aussi un indice. Possiblement qu'on a un indice parce que on a les points qui s'affichent. Ah oui, voilà. J'ai pas vu la corde. DNA found. Sample corrupted. Shit. Ok. Donc on va repasser avec la lumière UV. Suivre la trace de sang. Et dès qu'on voit qu'on a des petits points verts. Eh ben, on repasse avec le scanner. Cigarette. Partial fingerprint found. On a trouvé une empreinte. No matches in biometric database. Ok, on a trouvé une empreinte partielle. On va continuer d'évoluer. Alors le téléphone nous aide un peu pour le trouvage des indices. Vous avez vu qu'il y avait des petits carrés blancs qui nous indiquaient qu'il fallait aller dans cette direction. Nitrate d'épame, ok. Must have drugged her. Ok, donc ils ont dû s'en servir pour droguer la petite. Très bien. Better keep quiet. On peut s'accroupir, bien sûr, pour faire moins de bruit. Les immunisations F sont rapides et discrètes, mais elles ne peuvent être effectuées que de près. Donc ça, c'est l'immunisation furtive quand on est proche du gars. Et on peut, bien sûr, l'éliminer comme ça. On peut rien lui prendre, récupérer. Nouvel indice. Analyzing ballistic evidence. Weapon recognized. Semi-automatic pistol. Pas récupérer le chargeur non plus. Peut-être regarder s'il y a des traces de sang encore pour nous aider. Ah, regardez, les traces de sang vont par là. On va repasser avec le scanner. Ok, donc je pense qu'il faut qu'on passe par la porte qu'on a ouverte ici. Alors en plus l'ambiance sonore vous met bien dedans, hein. C'est bien pesant là le... Ok... Voices. Must be one floor up. Ok, la porte est fermée.
porte fermée. Il y a des bruits en plus. Ça s'est fermé aussi. Il y a des bruits qui viennent se rajouter à l'ambiance sonore. C'est extrêmement chelou. Ok, là y a rien. C'est fermé, là on peut passer. On peut passer ? Des voix, donc il va y avoir des mecs à mon avis dans pas longtemps. Attends, ça s'ouvre. Alors attendez, je vais peut-être aller voir ici avant. J'ai vu qu'il y avait un truc. C'est fermé. Alors je sais pas si on fait du bruit par contre, parce que j'ai l'impression qu'on fait énormément de bruit. Ah, puis il y a l'ambiance sonore qui vient se rajouter, qui est de pire en pire. On va pas faire un tour d'abord ici pour voir. Ok, c'est fermé. Ok, c'est fermé. Oh shit. Alors ça je l'ai pas fait hein. Ça je découvre le jeu maintenant avec vous. Oh la classe. Oh la classe. Oh ça c'est génial. Shit. Oh mais alors ça c'est génial. Putain j'avais pas vu ça depuis je crois que c'est Siphon Filter à l'époque qu'il le faisait sur son jeu. Il me semble, ou Splinter Cell, je sais plus. Un des deux en tout cas, Splinter Cell ou Siphon Filter. What? Why is the bomb armed? Where the fuck is Mike? He's probably on his phone, fucking typical. Find him. Alright. Who's that? Take him out! Oh, time bullet. Ça c'est cool. Stay away from me. Stay away. Hey, shh. Calme-toi, Jacqueline. It's calme-toi, okay. Calme-toi. I'm a friend. I'm here to help. Did my dad send you? I know you're scared, but you have to be quiet. Can you do that for me? I'm gonna get you out of here. Interagir. I heard the code. It's 3001. 3001. 3001. J'ai pas entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? There was a bomb. A girl.
don't remember this place. What the fuck is going on? What the fuck is going on, c'est clair. Red? Okay. J'attends dans le bâtiment Looks B comme like comme B. OK. La carte. Bâtiment B. Ça c'est le building A. B ça doit être ça. Putain j'ai pas compris ce qui s'était passé. La bombe a explosé ou... Ou alors on est obligé de passer par là. Putain mais c'est hyper chelou quoi. On va passer en scan. Shit. Am I alone in here? No thermal readings in the area. Just me then. Mais what, quoi, sérieusement? Fuck it! Aucune preuve trouvée. Putain, si t'es pas bien mis, Patient. Won't help you. C'est bien vrai ça les enfants. Oh, putain j'ai loupé celui-là. Ah, attendez, est-ce que j'ai quand même essayé de voir là? Non, y'a rien. Maintenant, patient 9-12. Ok, on peut pas monter. Ah, l'ambiance est vraiment, vraiment très, très pesante. Hein. Fuck's sake, come on. Vous l'avez vu, hein, les traces de pas. C'est trop pesant là, l'ambiance, arrêtez là, putain la musique. Wow. Ok, donc on a les traces de pas qui s'arrêtent ici.
lumière s'éteint. Après avoir reçu un message, appuyez sur Tab pour l'ouvrir aussitôt. Tout est de ta faute. What? Montre les sources de chaleur. Putain, il est tombé du... Bien sûr. Ok. On se fout de ma gueule ou pas? Est-ce qu'on se foutrait pas de ma gueule? Vos actions auront des conséquences. Génial! Oh là là là, mais c'est chelou! Arrêtez ce bruit! Cette merde, sérieusement, quoi. This is me. What's going on? Hello? Anyone there? Hey! Cigarette empreinte digitale partielle trouvée. Ok. Something's not right. C'est toutes les preuves que j'ai trouvées au début, quoi.
Ça, c'est toutes les preuves que j'ai trouvées au début, en effet. On va regarder ça pour le dernier truc. Cole Black. Après avoir quitté l'armée il y a 7 ans, il semble que Black ait perdu plusieurs années de sa vie en sombrant dans l'alcool et occasionnellement la drogue. Pour arriver à financer une de telles, il a commencé à faire des petits boulots en tant qu'agent de sécurité. Petit à petit, il a réussi à se forger une réputation d'homme déterminé, prêt à combattre si la situation l'exige. Black est devenu un mercenaire et a laissé côté de l'alcool qu'il a remplacé par les frissons que procure sa révolution. Ce gros Black ne semble prêter attention à l'argent que pour mesurer l'importance du contrat et le sérieux de son client. Rapport psychologique présente Black comme une contradiction ambulante. Il est incapable de tuer sans être assailli par un sentiment accusé. Tuer lui permet de lui donner un sens à sa vie d'après les observations. Il n'a aucun proche ou ami. Ok, c'est génial. Sinon, on doit aller où après? Shit. Ah, Mr. Black. Please, apologies for the theatrics. It's all part of the treatment. Treatment. This will be far more straightforward if you just keep breathing. That's it. Good. Hello? That's it, Mr. Black. Relax. Breathe. You're back with us. Minor confusion is expected. What? Who are you? What the hell is this thing on my head? Hey! Calm, Mr. Black. That's all I ask. Your current confusion is a byproduct of your... treatment. All very unfortunate, but I assure you, you are in safe hands. If it helps you focus, you may call me... Red. You gas me. There was something before. Another place. That's why you're here, Mr. Black. But now is not the time for questions. Ok, bah écoutez les amis, on va s'arrêter ici pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous plaira, n'hésitez pas à mettre donc vos retours en commentaire, pouce bleu bien sûr pour me dire de continuer cet épisode, ce let's play, si ça vous a plu, commentaire, partage, vous abonnez à la chaîne YouTube, on est de plus en plus nombreux, on est passé les 1800 les amis, ça fait très 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 plaisir, merci à vous de me faire confiance et d'être toujours plus nombreux, merci, merci. On se retrouve en live du lundi au dimanche les amis, sur n'importe quel jeu, sauf le samedi, de 21h à minuit. Et le Discord de la team est ouvert si vous voulez nous rejoindre ou tout simplement discuter avec nous, n'hésitez pas à le rejoindre dans la description. Moi je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine je pense pour la suite de Get Heaven si ça vous a plu, sinon eh ben, ça sera aux oubliettes et moi je le terminerai tout seul. Voilà, merci les amis, à la prochaine, salut, bye bye.